Bonjour, Matteo. Bonjour. Allez vous installer là-bas. Matteo Pellucchi, il est italien donc. Matteo, est-ce que vous comprenez le français? Oui, je parle un petit peu français. On essaie alors. Excusez-moi pour mon français, moi. C'est pas parfait. Moi. Est-ce que c'était difficile de se placer dans ce sprint final? Oui, c'est un sprint beaucoup compliqué parce que à l'auto, beaucoup de personnes vont rester devant. Et moi, j'ai pensé de faire le sprint un petit peu derrière parce que les derniers de 300 mètres, c'était un peu descente. Et j'ai décidé de sortir mon sprint à 300 mètres pour prendre des vitesses pour les derniers 100 mètres. Et ça a fonctionné bien et j'ai trouvé bonne place pour passer et c'était bien. Vous avez profité du travail de la Cofidis toute la matinée? Oui, oui, ils sont les premières de la générale, c'est normal qu'il faut travailler. Et donc, ils ont déjà gagné deux étapes. Et aujourd'hui, c'est pour nous, ça va. Comment ça va se passer pour vous donc, comment ça va se passer cet après-midi? Vous allez jouer le général? Vous avez pris des points de bonification sur la ligne d'arrivée ou pas du tout? Non, non, moi, je ne suis pas dans la générale parce que je suis tombé hier. Et j'ai perdu beaucoup de minutes dans la générale. Et ce n'est pas pour moi. Après-midi, je vais faire seulement mon course. Et après, on verra pour demain, peut-être. Merci beaucoup, Matteo. Donc, on espère vous retrouver demain à Poitiers.